Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Zala, bon citoyen pour la République démocratique du Congo. Zala, bon citoyen pour le développement de notre pays, qui est également le pays où coule le lait et le miel. Qui a dit que les Congolais conscients n'existent pas? Qui a dit que les Congolais ne peuvent pas profiter de nos terres que nous avons? Dans ces pays, les gens mangeaient bien. Dans ces pays, les gens étaient heureux d'être Zaïrois, d'être Congolais. Mais à une époque donnée, il s'est fait que certains Congolais se décourageaient, voulaient même fuir le pays, aller ailleurs. Mais quand Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi est venu au pouvoir, il a dit, je vais redonner la valeur aux Congolais, à l'homme congolais. Parce que ce pays a tout. Comment expliquer que nous avons tout, mais des Congolais souffrent? Comment expliquer que nous avons tout, mais les soldats, les policiers souffraient? C'est parce qu'il manquait la volonté politique d'un homme qui a la vision de son armée, qui a la vision de son peuple, qui a la vision du pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi. Une fois au pouvoir, il s'est dit, Laurent Désiré Kabila, l'homme qui avait dit « n'ai jamais trahi le Congo », il avait une idée meilleure pour l'intérêt des Congolais, les services nationaux. C'est vrai, il y a la continuité du pouvoir. Il y a également la continuité des concepts et des idées salvatrices pour l'intérêt de la République. Félix Tshisekedi, qui est produit de l'UDPS, mais Félix Tshisekedi a pris l'idée du service national créé par Laurent Désiré Kabila, notre héros. Parce qu'à l'époque, Kabila disait que nous avons tout, nous pouvons faire tout sur le Congo, manger comme il faut, parce que nous avons des terres, nous avons des fleuves, nous avons l'eau, nous avons tout. Mais il manquait juste la volonté politique d'un homme. Quand Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, il a cherché un homme, l'homme de confiance, la personne qui était déjà dans l'élan des Lumumbistes, qui était dans l'élan des patriotes, qui était dans l'élan de Oisalendo. Le vrai Oisalendo, ça veut dire être patriote. Le général Kasongo Kabwik. Depuis qu'il était major, l'homme travaillait déjà pour l'intérêt de sa communauté, travaillait pour l'intérêt des faibles, l'intérêt des démunis. Monsieur Kasongo Kabwik, que vous voyez, si la fois passée, j'avais fait une émission où je me posais des questions très questionnantes sur son service. Après plusieurs recherches, j'ai compris que l'homme, c'est une perle rare, M. Kasongo Kabwik. Perle rare, je pèse bien mes mots, perle rare. Une valeur ajoutée, une valeur à conserver. Il faut que tous les Congolais prient pour cet homme. Parce que quand le chef cherchait le meilleur collaborateur, le chef s'est dit, il y a un général, un vrai patriote, qui avait déjà commencé quelque chose. Pourquoi ne pas lui donner encore ce qu'il faut afin que ce qu'il avait commencé puisse prendre corps, puisse voir le jour, pour que les Congolais, les soldats, les enfants des soldats puissent bénéficier quand même de ses services. Kasongo Kabwik, dans peu de temps, avec peu de moyens, mais Kasongo Kabwik a réalisé des prouesses, des prouesses. Ceux qui bouquent la camp, là-bas, camp les lots, allez dans les camps. Vous allez voir que les femmes des soldats, bazan et sengo, matan et fongwami, bakomi minen, la majorité, pourquoi? Parce que bazan conseil soucié, les sous-soutés, bana bakolia foufou nengeni. Parce que vous savez, ventre enfamé n'a point d'oreille, n'a pas d'oreille. Mais si déjà le chef de l'État, avec la volonté qu'il avait et la volonté qu'il a, il a trouvé un homme. On a conquis quoi accompagner vision yéyé. Une vision stratégique d'abord parce que le chef se soucie pour des soldats.
Pour des sommets d'abord, le chef s'est dit, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas faire autre chose si le soldat qui protège ce pays, Bazanonou, dans de bonnes conditions, vous avez vu, soldat, là, tu tenais un sika. Vous avez vu le soldat, majorer salaire Nabango. Vous avez vu les camps réhabilités. Vous avez vu les écoles, les hôpitaux réhabilités. Et puis équipés de matériel. Et non seulement ça, les mettre dans de bonnes conditions. Le chef a pensé service national avec M. Kassongo Kabouik. Il y a le maïs, et ça, côté Kamanakan, côté Samanakan, mais ville-prix. Ville-prix. Moins de 10 dollars, moins de 10 dollars, au minimum 5 dollars, vous avez besoin d'un sac de maïs, ou un basoda, baza kolia, baza kotonda, baza en bonne santé, baza armé moralement, parce qu'il y a un chef qui a pensé pour eux, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tshisekedi. Et puis, le chef a trouvé la bonne personne pour accompagner sa vision, c'est M. Kassongo Kabouik, qui produit ensemble avec les rejetés. Moi, je les appelle comme ça. Les rejetés dans la société, les gens qu'on appelait communément de couleur. Mais c'est ces gens-là que Kassongo Kabouik et les services de l'État ont pensé les récupérer, les amener dans les services nationaux. Regardez les anciens Koulounais, Talabassina Mibal, très propres. Baladi d'enseignement, Bazuma formation, aujourd'hui sont devenus utiles pour la nation. Est-ce que service Yaboui. Il ne faut pas chercher encore, il y a quoi ajouter des moyens pour que ces services soient pour continuer. Aujourd'hui, si vous regardez les universités, moi, les gens m'ont appelé, recteur à l'université, tout le monde a dit, de fait, tout ça, la même époque, sur le Kabouik, aïe la bisopé, baba, aïe la bisopé, donc, quand sur le Kabouik, tant que vous avez un patron et un service national, donc, pour lui, l'intérêt, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement les 3-4 provinces, c'est la nation Congo. Kassongo Kabouik, il est plus que le député qui représente le peuple, si je peux le dire ainsi. Parce que lui, il est partout. Aujourd'hui, il y a des gouverneurs, il y a des services. Ils ont la pensée, il y a Atunaé, ils ont la pensée à Porné. Pourquoi? Parce que l'homme s'est distingué rien que par le moyen maigre qu'on a mis à sa disposition pour être encore au tombe de la service. Combien de gens ont le bac à la projet fantôme, des projets diaboliques? Ben, au chef de l'État, ben, au gouvernement, le moyen sort. Mais en réalité, c'est de la poudre aux yeux. Ces projets n'ont jamais pris le corps. Et la population n'a jamais senti que le projet n'a pas l'impact dans la Katnabao. Mais moi, je demande à ce que les gens ouvrent encore l'œil pour que ces services aient à outiller les besoins que présente M. Kassongo Kabouik avec le service national. Il faut qu'on tienne en priorité. Pourquoi? Parce que l'homme est pragmatique, l'homme est sur terrain, l'homme est dans la boue. Quand nous parlons du service national, ce n'est pas seulement le maïs, parce que l'élevage est allé et il est dans tout. Il est dans tout. Alors, parce que nous avons notre première ministre, Madame Jidi Tsusumino, la femme qui écoute le son et la voix du peuple, la femme où est allée toujours disponible pour accomplir la volonté du chef de l'État. Ayoka Gitolobaki, la femme, Madame Soumino, première ministre, a accordé l'audience à M. Kassongo Kabouik. Vous savez pourquoi? Parce que là où il y a les bonnes choses, là où il y a l'idée, là où il y a la volonté de mieux faire, notre première ministre, elle est toujours présente, présente une femme brave, une femme de fer, une femme qui a partout le monde pour que son gouvernement et qu'on a coupé ça le résultat. Madame Soumino a reçu M. Kassongo Kabouik. Tout simplement parce que le travail de M. Kassongo Kabouik a précédé les actions que M. pose et commis avant. Travaille d'abord que ton travail est qu'on a copié, afin que donc on a recevoir. Voilà les audiences que nous voulons. Mais l'audience entre deux perles rares. Vous avez Soumino, perles rares. Vous avez Kassongo Kabouik, perles rares. Les deux personnes, basant la quatrième vision du chef de l'État, pour que l'on puisse sourire dans la démunie, qu'on puisse sourire dans le peuple congolais. Soumino, elle est en train de se battre pour donner les résultats. Malgré, il y a les électros libres dans ce gouvernement, des ministres fainéants, selon plusieurs sources, des ministres touristes, selon plusieurs sources. Ils sont dans ce gouvernement qui font rien.
S'il y a des meilleurs ministres, ils ne sont pas plus de 5. Récemment, vous avez vu M. Moukoko Samba, les professeurs, ont assez bac pour baisser taux à carburant de 13%. Voilà les hommes. Oh, les bazar que ça là, et puis c'est plus pratique. Bah, comme on a, et sur le terrain, le fait est à l'immédiat. Quand son Kabouk fait le travail, quand son Kabouk donne les résultats, mais je me pose la question, pourquoi M. Kassoro Kabouk n'est pas soutenu, n'a hauteur où est-ce qu'il a la soutenu? Si ce n'est pas la volonté personnelle du chef de l'État pour que ce service soit au Kinde, il y a des démons qui sont là. Il y a des gens qui ne veulent même pas que ce service soit au Kanako. Nako Kinde plus loin. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a les ennemis. Ben, ennemis à résultat. Ben, ennemis, il y a des gens qui vont comprendre. Vous êtes là. Des collaborateurs méchants, des ministres fainéants, des ministres touristes. Mais notre regard, on a sur nos sources. Non, vous devez travailler. Vous devez travailler. Le chef ne vous a pas nommé pour que vous puissiez porter des vestes, des cravates, que vous puissiez vous maquiller. Non, le chef vous a nommé pour donner des résultats. Madame Soumino, fait de son mieux pour donner des résultats aux Congolais. Monsieur Kassoro Kabouk, dans son secteur, avec le peu de moyens, le service national, voilà comment on a Kotonga. Service national, les gens comprennent sa maman. Service national, les gens comprennent sa maïs. Service national, les gens comprennent ça. Parce que nous avons tout ici. Mais pourquoi il y a certaines personnes qui veulent tirer le même le service national vers le bas? Pourquoi? Ceux qui disent au Bundi, c'est service national, sache le bien de Bundi, c'est chef de l'État. Ceux qui disent au Bundi, c'est échec, il y a service national, il y a M. Kassoro Kabouk, sache le bien de Bundi, c'est Madame Soumido. Parce que là où il y a le résultat, c'est là où il y a le chef. Là où il y a les résultats, c'est là où il y a notre Premier ministre, Mme Soumino. Parce que, dans mon bazar, au service, il y a peuple, donner les résultats aux Congolais. Mais moi, je me demande, avec le peu que M. Kassoro Kabouk a sali comme patron du service national, l'organisation en Kossala, non seulement en Kossala, pour que le peuple congolais, Thomas Sébastien, la Bassoda, Bancala, qu'on s'est retrouvé, c'est M. pour moi, il mérite médaille. Il mérite encore d'autres étoiles. Il mérite un mata plus de promotion. Parce que les gens ont un concours en affront. Oui, ceux qui vont nous dire que je suis un bagrade. Mais lui qui est en train de donner des solutions, à copé sa liboumou, à basse ma soda, déjà est sengo. À copé sa liboumou, à basse soda est sengo. Est-ce qu'il ne mérite pas la combattre en grade? Il y a que des fainéants qui sont censés combattre en grade. Pourquoi? Parce que la personne a donné le résultat et puis c'est palpable, le peuple congolais est en train de voir. Madame Soumino, elle a décidé avec son gouvernement de soutenir le service national, d'apporter son apport, parce que ce service, avec le peu, a acquis déjà ma prouesse. Le chef de l'État est toujours là pour soutenir ce service, pour faire en sorte que mais vous qui êtes dans le gouvernement, vous faites quoi? Il y a des gens de fainéants qui sont dans l'armée. Les gens qui sont en train de dire « Kassoro Kabouk, c'est un électron libre ». Non, il n'est pas électron libre. Kassoro Kabouk a une mission bien déterminée. Il est au service du chef de l'État. Vous, vous êtes au service de qui? Vous travaillez pour qui? Les traîtres de la République, les gens qui ne travaillent pas pour donner des résultats, malheur à vous. Nous, nous soutenons le service national, monsieur le général Kassoro Kabouk, parce qu'il tient à donner les résultats, à satisfaire les chefs et à satisfaire les femmes et les soldats. Madame Soumino, elle est là pour donner les résultats parce que Yendazali, moteur, a besoin de combat, a besoin de combat au gouvernement. Donc, elle est dans tout ce qui bouge pour donner les résultats aux Congolais. Une autre RDC est possible. Décourageons les fainéants, décourageons les ennemis de la République. On se le temps pour encourager les gens qui travaillent pour la nation. Kassoro Kabouk, une valeur. Ajouter.